Eh bien, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petit challenge confinement, les triceps, on en a déjà fait auparavant. Là, c'est le quatrième qu'on effectue. Donc je répète en quoi ça consiste, les triceps, pourquoi? Parce que tout simplement, on a trois blocs de quatre exercices à faire en 7 minutes. D'accord? Sur les exercices à effectuer, on a un certain nombre, bien sûr, à faire sur chaque exercice. D'accord? Donc, trois blocs, d'accord? De 7 minutes. Une fois qu'on a terminé les quatre exercices et les nombres à effectuer, s'il reste encore du temps, bien sûr, on revient au début du bloc, et ainsi de suite, on fait les exercices jusqu'à temps que le temps complet soit écoulé. D'accord? Les 7 minutes. Une fois qu'un bloc est terminé, on prend une petite minute 30 de récupération pour boire un petit coup, pour respirer et on repart sur le deuxième bloc et ainsi de suite jusqu'au troisième bloc. D'accord? Il y a trois blocs à faire, bien sûr. Donc, on a des squats planches. Ok, nous on squat. Squat planche 15 en 1. En 2, burpees 15. En 3, on a des spéciales main-épaule. Et en 4, on a des kicks genoux. D'accord? Alors, comme je fais d'habitude, on a un exercice qui va se répéter sur chaque bloc. Et ce coup-ci, c'est les kicks genoux. Ok? Bloc 2, on a des squats traditionnels. Le coucher ventre debout. Le gainage dynamique alterné. Et les kicks genoux, forcément. En bloc 3, on a des squats sautés. La spéciale main-coude. D'accord? Le mountain climbers. Et on termine par les kicks genoux. Voilà. Je vous montre tout ça. Alors, sur bloc 1. On a 15 squat planche. Squat planche, en fait, on va partir donc en squat. Ok, on part en squat. On vient là, on se met en planche, d'accord? On revient sur les talons et on se remet droit. On descend. Ok? Voilà. Vous avez 15 à effectuer. Puis ensuite, dans la foulée, les burpees. Vous vous rappelez les burpees? D'accord? On vient se mettre là. Ok? On ramène. On saute. Pareil, 15. La spéciale main-épaule. Donc la spéciale main-épaule. On est en planche. Ok? Et on vient mettre les mains sur les épaules. D'accord? On essaye de bien être gainé. D'accord? Et d'éviter de trop se dandiner. D'accord? On essaye de bien bloquer. On respire bien. Et on monte. Il y en a 46 à faire. Et puis, pour terminer le bloc, les kicks genoux. Alors, les kicks genoux, ils sont dynamiques. D'accord? On est vraiment. On monte le genou. Voilà. Il vous reste du temps une fois que vous avez fait le certain nombre qu'il y a effectué à chaque fois sur chaque exercice. Et ben, s'il vous reste du temps, vous avez terminé, il vous reste 2, 3, 1 ou 2 minutes, on va dire. Alors, vous recommencez au début du bloc. Vous refaites l'exercice, le nombre à effectuer bien sûr, jusqu'à temps et vous ainsi de suite. Hein. Donc il y a le squat planche, le burpees, etc. Donc à chaque fois, vous redescendez sur le bloc, vous faites les exercices. Et une fois que les 7 minutes sont terminées, on s'arrête. 1 minute 30 de récupération. Ok? On passe sur le deuxième bloc. Le deuxième bloc, on a les squats traditionnels, donc les squats, ok, on est là, les genoux un peu à l'extérieur, d'accord, on est à peu près sur la largeur des épaules, voire un petit chouïa de plus, ok, on est là et on descend, d'accord, on essaye de maintenir le dos le plus à plat possible, d'accord, on évite
d'arrondir. D'accord, on est vraiment en descente. On contrôle bien sûr et on monte. N'oubliez pas le bassin. Là. Ok? Allez, en squat traditionnel. Les 25 à effectuer. Le coucher ventre debout. Donc le coucher ventre debout. On est là, on part. En fait, on va se remonter. On est là, à plat ventre. Ok? On cède avec les mains pour remonter. Et là, on met une impulsion et on revient en grenouille. Ok? Donc là, hop! Hop! Le coucher debout. Enfin, le ventre debout, pardon. Coucher ventre debout. 15. Gainage dynamique alternée. Donc, gainage dynamique alternée. On est là en planche. Ok. Et on vient amener le genou au coude. Ok. Voilà. On essaye d'être un peu plus dynamique. Comme un peu les mountain climbers, finalement. D'accord? D'accord. Par contre, on essaye de ne pas faire bouger le bassin. De ne pas bouger les bras. D'accord? C'est vraiment le genou qui va venir au coude. Et bien sûr, on finit par les kicks genoux. Une trentaine de récupération, bien sûr. Troisième bloc. Troisième bloc, squat sauté. Donc pareil, départ. On descend en squat traditionnel. Et on met l'impulsion. Ok? On descend, on met l'impulsion. On descend. Ok? Alors, après on a la spéciale main-coude. Alors la spéciale main-coude, en fait, on va se positionner sur les coudes, là, ok, en planche, et on va remonter. Pareil, bien gainé. Là, c'est les mains et les coudes qui montent, qui vous aident à remonter. Alors, les mountain climbers, hein, comme d'hab. Ok, on est là. Ça, pas de souci. Et puis, on finit par les kicks genoux. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, je pense que vous aurez bien transpiré. N'oubliez pas de boire un petit peu pendant les pauses. C'est important, buvez pas trop non plus parce qu'autrement ça risque de remonter un petit peu, ça risque de rester sur l'estomac. Mais une ou deux gorgées déjà, rien que pour se dessécher un peu la gorge, la bouche et tout, ça fait du bien, d'accord? Pour se réhydrater un petit peu aussi parce que on arrive sur une période où il commence à faire chaud. Donc le moindre exercice un peu intense, du coup on transpire pas mal. Donc voilà. Donc voilà, donc du coup... Le challenge est terminé. Le challenge est terminé. Ben, il n'y a plus qu'à. À vous de jouer. Ciao !